Bay. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve toujours en Thaïlande. Et cette fois-ci, à Pai, avec Célia et une fille française qu'on a rencontrée lors de mon premier jour à Pai. Et regardez-moi cette vue, elle est magnifique. Aujourd'hui, direction le Lot Cave, c'est une cave qui se trouve en plein milieu de la montagne. C'est super beau, j'ai vu de super belles photos. Et là, on est en train de monter. Et là, on est limite à côté des nuages. C'est magnifique. Là, c'est trop bien la route, c'est génial, j'adore. Bon, du coup, là, on vient tout juste d'arriver au Lot Cave. Ça nous a pris au moins 2 heures de route pour pouvoir arriver au Lot Cave. Parce que on s'est trompé quand on est arrivé en centre-ville de là où on est. Mais on va voir un truc magnifique. Donc restez sur la vidéo, comme ça vous allez voir la suite. Non mais ça va être sombre quand on va pas voir où on marche. Mais genre, okay. Et on va faire quoi pour la suite? Mais arrêtez, vous allez voir ce qui se passe. Donc là on vient de payer la cave, c'est 500 bahts. 160 chacun. 160 okay. Bahts par personne. Pas, hein. 500 bahts au total pour, non, pour un groupe de 3 personnes. Normalement, il y a possibilité qu'on soit les seuls touristes parce que quand j'ai inscrit notre nom sur la liste, on était les seuls parce que les premiers, sinon c'était ceux de hier. Et apparemment, il y a des chauves-souris dedans. Je te jure, il y a des chauves-souris. Je savais pas. Mais c'est une blague. Voilà la grotte où on va rentrer tout à l'heure, ça s'appelle Namlaut Cave. Oui, ça pue, ça sent très fort. Apparemment, c'est l'odeur de la mer des chauves-souris. On les voit déjà en train de se balader dans la grotte. Et apparemment, en plus de ça, c'est qu'il va peut-être avoir des snakes, donc des serpents. C'est des oiseaux ou c'est des serpents? Regarde, non, c'est des chauves-souris, mais c'est quoi comme ça, non? Je sais pas. Regarde les poissons. Oh, il y a des poissons! Oui. Tu vas être milieu ou tu vas devant? Tu vas être devant? Je sais pas. Donc là, ça y est, on rentre dans la grotte, l'aventure commence. Il fait déjà tout noir. Et apparemment, il va faire chaud ou frisqué. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Et on va peut-être faire de la... On va peut-être faire de la barque. Ah oui, il y a les chauves-souris. Oh, c'est magnifique. J'ai peur qu'on ne voit rien. On voit rien. Careful your hair. Ah, your head. Quoi? Je comprends pas, c'est pas de ma faute. C'est magnifique, mais on voit rien. Oh. C'est quoi? Stalagmite. C'est une waterfall. Y'a quoi? Donc là, la roche que vous voyez, elle a été formée grâce à l'eau, c'est ça, Célia? Grâce à la waterfall, grâce aux cascades d'eau, en fait. Et là, la hauteur de cette pierre, elle fait plus de 21 mètres de hauteur. On voit pas grand-chose. Ouais, c'est un stalagmite. Stalactique, stalagmite. C'est
stalagmite, ça monte, stalactite, ça descend, ou l'inverse. Je sais en pas. Gros, ils se sont rejoints. Ok. Donc. Hey, c'est qui la petite touristique ici? De quoi? Ah. Donc cette pierre là, elle ressemble apparemment à une soucoupe volante. Donc là, on vient d'arriver dans la deuxième cave de Lot Cave. Je sais pas si on voit, mais c'est tout noir. Et franchement, j'ai peur de tomber. Là, on est sur du bambou. Et je crois que là, il y a moyen qu'on va faire de la barque. Oula, fais pas ton pain. Moi, je regarde pas où je marche. Cave number two. Oh. Donc là, on est en train de monter des marches super droites. Ça va? Oui, ça va. Ok. En fait, si tu regardes, il y a tout qui a l'air de quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est une imagination. Ça, ça on dirait des méduses, par exemple. C'est vrai que ça, on dirait des méduses. Là, il y a la pierre, le stalactite qui est juste en face de nous. Le stalactite qui est juste en face de nous, il ressemble apparemment à un Bouddha. Et il est juste là. Et celui d'en face, on dirait un éléphant. Ouh là, je vois plus rien, j'ai trop peur. Ouh là 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 là. Regardez les gens, là on peut voir de la stalactite en train de se former. Et la stalactite qui est en train de se former ici. Regarde là, c'est un bébé. C'est un zizi. J'ai envie d'être un homme préhistorique en visitant cette grotte. Parce que les gens en vrai ils sont protégés de tout hein, là. C'est magnifique. On dirait des singes. C'est un beau, ça, Zizi. Stalactite breast shape. Il respire. Breast, c'est poitrine. Oh. It's funny, this. Ah, là, du coup, tu peux voir que ça coule. Ah ouais? Mais tu vois l'eau, quoi. Là, ce rocher ressemble à un crocodile. C'est magnifique. C'est ouf comment les rochers peuvent ressembler à des animaux. En fait, je pense que c'est dû à notre imagination que on met une forme au rocher. Non ? Ouais, c'est dû à notre imagination. C'est nous qu'on choisit dans notre tête si on veut... Ça ressemble à un dinosaure, un crocodile, un serpent. Ah, c'est beau là. Tain, moi qui a peur de l'altitude, j'ai trop peur là, ça me fait trop peur. Ouais. Bon, les gens, si vous me regardez, moi j'ai trop peur de l'altitude. Donc je vais vraiment tout doucement. Je suis vraiment désolé. J'ai trop peur. Je suis pas le temps. Oh, c'est super droit. J'ai déjà fait ça. Oh, c'est quoi ce bruit? Tu vas voir de l'altitude toi d'ici? Mais je regardais pas autour. Moi je suis obligée de regarder autour. J'ai regardé après de où là et puis j'ai cours. Magnifique ma chérie. Faut juste avoir un bon téléphone en fait. Oups, c'est bon là, on est bientôt arrivé. Regardez ce qu'il reste à faire. Merci Célia.
Ah, il y a le monsieur qui... Arrête, les gars. Il y a le monsieur qui nous attend pour faire de la barque. Juste en bas. Je suis désolée, monsieur, je prends tout mon temps. Oh, pardon, pardon. Tu vas avoir des petits pieds, hein. Moi, je suis au milieu. Ouais, ah, moi, je suis devant, je suis devant. Bon. Donc là, on vient de rentrer, on vient de monter sur le bateau. Oh, ça avance. Faut pas être trop gros, sinon ça va couler. Hein. C'est magnifique. Oh, je pense que là, c'est le moment de donner des manger pour les poissons. Si, si, regarde, il y a des poissons, il y a des poissons. On va donner à manger aux poissons maintenant. Oui, je suis en train de filmer. Qu'est-ce que t'en penses, Lucie? C'est fantastique. Franchement, vous vous rendez pas compte, l'auteur sous plafond est magique. Oh. Ah, là, on touche le sol. Là, on touche le sol. Ah, je crois qu'on est arrivé. Ah, il y a des poissons. Célia, t'as à manger? Oh, il y a plein de poissons, les gens. Oh, c'est trop beau. Donc là, j'ai Amama pour les poissons. Regardez à votre droite, comment c'est gros. Où? Là. Oh, on dirait un crocodile, le machin. Ah ouais, putain de ouf. Mais c'est incroyable. C'est là, j'en ai plus de poids, moi. Attends, non, ça fait deux ans, mais c'est que... Je n'ai même pas enjoy la vie. Oh, les gens, c'est magnifique. Ah, je crois qu'on arrive à la sortie. Putain, les gars, on arrive chez Batman, là. Ah ouais. Tiens, tu veux du poiscaille? Oui, je veux du poiscaille. Merci. Je crois qu'on arrive bientôt, là. Mais non, c'est pas cool. Mais les chauves-souris? Cette chauve-souris, les visites, là-bas, il y a des chauves-souris, apparemment. Non, c'est en Chine qu'ils mangent des chauves-souris. Ouais, regarde, regarde les poissons. Oh, il y en a plein. Oh, trop bien. Des oiseaux. Donc ça, c'est des oiseaux. Vous voyez les gens, on se croirait dans l'endroit où il y a Vaiana qui est en train de découvrir les bateaux. On dirait trop l'endroit où il y a Vaiana qui est en train de découvrir les bateaux. Ah, tu l'as pas vu? C'est magnifique. On est arrivé. Allez, ça. Ouais, on est arrivé. Ouh! Bon, merde, les gens, là, on a pris 10 minutes pour faire des photos, mais depuis tout à l'heure, en fait, il y a de la merde de pigeons qui est en train de tomber sur nous. On s'en est pas rendu compte. Et la dame qui nous fait la visite, elle s'est barrée. Elle nous a pas attendu. Ouh, ça me dégoûte de toucher. Et en plus, j'ai peur de l'altitude. Ça me fait chier. Both at the same time. Non. Ah non, il y a une chauve-souris, il y avait une chauve-souris. Là, sur le côté. Oh non, là, il y a un bébé oiseau. C'est horrible. Nous, on enterrait quand on était petits.
Ah ouais? C'est une prière et tout. Moi j'ai enterré mes petites tortues. Enfin, elles étaient mortes. Oui. Ah. Franchement, c'est incroyable l'endroit où on est. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est toute ma vie. Ni moi. C'est la première fois que je fais une grotte en plus de ma vie. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, t'as pas fait l'une des pires. Hein. Si. Bah, non, ça, justement, t'en as fait une qui était très bien. Et moi, j'en ai fait, elle était pas aussi bien. C'est vrai? Ah non, là, elle était immense. Elle est immense. Ouais. Trois grottes d'affilée, des chauves-souris partout, une promenade en barque. Magnifique. Franchement, je suis choquée, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est vrai? Ouais, grave. Vas-y, en plus, il y a de la lumière là. Donne un peu. T'en veux? Tu veux filmer? Je vais nourrir les poissons maintenant parce qu'on a terminé le tour et ça a été vraiment génial. Wow. Ah, c'est... Mais wow. C'est... Ceux d'hier, ils ont plein de moustaches. On dirait des carpécoles. Oh, ils sont énormes. Je crois que c'est des poissons qui vivent 30 ans. Ça s'appelle des Huang fish. Je pense que ça veut dire poisson-chat, mais je ne suis pas sûre. Ils sont magnifiques. Ils sont obèses, magnifiques.